Salut, bienvenue sur le channel Paula qui c'est EEP Power. Jean qui m'a dit dans la vidéo aujourd'hui, je viens de dire qui fil que vous capable utiliser pour l'installation là et qui fuse que vous capable utiliser, qui briquet tout que vous capable utiliser. Donc, combien qui va beaucoup de mise à votre cas, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour capable prendre tout le bagaille. Yo, remerciement spécial avec tout le monde qui a regardé la vidéo ça. Au moins qui fait part, m'a dit bienvenue et pas oublier abonner ensemble avec la chaîne là pour plus de vidéos. Et l'offre fin abonné, gardez, retirez sous, petite cloche là, retirez sous personnalisé, mettez sous tout, y a façon capable d'assurer que vous avez une notification, j'attends de publier une nouvelle vidéo. Qui ça qui empêche là? Empêche là, c'est résultat division wattage là par voltage là. Donc là, que vous divisez wattage là par voltage là, bas ou empêche là directement. Donc, qu'on y a là, qui ça que nous devons comprendre dans les affaires ampérage là? Donc, si que moi j'ai tension, on prend exemple même cette tension. Donc, moi je prends là, moi seulement prends un petit paille, moi je vais petit paille là bien léger. Et tandis que si ma plus combat équipe pilou, m'a besoin plus temps, m'a besoin plus ampérage pour me lever. L'aime te lever là, petit paille là bien léger. C'est que il était côté ampérage qui minime, un milliampère. Donc, pour que moi j'ai un poids qui pilou, donc moi je viens plus concentré pour que me level, et bien là, ça, c'est ça qui vient ampérage. Donc, ou bien on a une tension qui très élevé, mais dès que l'ampérage est faible, il n'y a pas qu'à marcher une série d'appareils, et bien, laisse ça, vous avez besoin de plus d'ampérage pour marcher l'appareil que vous avez besoin de marcher. Et, amis, avant de monter, nous avons 500 watts de panneau, donc on quitte environ 27 ampères. Donc, pour 27 ampères, ça, qui fil que nous devons utiliser qui est capable de nous 27 ampères et pour éviter fil la chauffer tout pour fil là pas venir bouler pas mettre différents canaux c'est là c'est le bois pour pas bouler à parler tout parce que les fils bouler ou coller donc il va pas l'autre cause donc c'est ça que fait nous devons mettre fil qu'il faut à la place qu'il faut donc qui fil nous devons mettre pour 27 ampères là moi pas besoin d'un fil qui va moi exactement 27 ampères là moi pas besoin moi pas qu'à mettre un fil tout qui va 25 ampères 20 ampères donc moi si pour mettre un fil qui dépasse il y a une façon pour le capable pour que les protons avec électrons à déplacer pour capable traverser dans le normal pour capable déplacer sans problème parce que conducteur là qui ça qui lié pas bien que nous gain l'or nous gain aluminium nous gain cuivre nous gain fer tous ces conducteurs d'électricité donc quand ça que nous plus utilisé comme nous par exemple c'est moins cher comparativement avec l'or comparativement et puis il paraît plus efficace tout comparativement avec fer avec aluminium nous plus utilisé cuivre là donc n'a pas parlé de cuivre. Et quand y a là, nous supposons prendre 30 ampères parce que nous avons 27 ampères, nous n'avons pas prendre 25, nous devons prendre 20, mais nous avons un fil qui est exactement 30 ampères. Donc, l'air que nous prenons un fil qui est 30 ampères, nous sommes capables de prendre 10 AVG qui est 10 American Wire Gauge. Donc, là nous prenons un fil qui est 10 là, là nous prenons un fil 10 là, donc là ça, là bas nous 30 ampères, donc là ça, n'a capable de fonctionner normal, fil n'a pas chauffé, et même si il a tendance à chauffer tout, il n'est pas capable parce que l'ampérage n'a pas privé de niveau qui va dépasser le fil là, qui va dépasser l'ampérage par fil là pour faire fil là chauffer. Donc, et ça fait, nous devons prendre 30 ampères, nous devons prendre un fil 10 qui va équivaut à 30 ampères, et puis laisser ça, la fonctionner normal, pas bien aucun problème. Donc, quand on a un pour breaker, nous capables de toujours mettre un breaker. Alors, il n'est pas forcément obligatoire pour mettre parce que le régulateur est même là pour contrôler la tension qui sort dans le panneau, pour le gérer avant qu'il voie la batterie. Mais la prudence est de mise, donc quand c'est ça qui fait, l'important pour nous mettre un breaker non. Nan fil qui sorti dans le panneau avant qu'elle arrive sur le régulateur, il y a une façon pour capable protéger le régulateur et pour capable protéger le panneau, et puis tout pour capable protéger le fil là et en même temps protéger la batterie. À tout. Ok? Donc, là que nous mettons le breaker, nous pas mettre le breaker pour égal avec le fil là et nous pas mettre le breaker pour dépasser le fil là. Donc, quand tu as dit le fil là, pas plus bas que l'ampérage panneau, mais Kounia c'est inverse là parce que breaker a pas ni plus bas ni pas pa ni plus haut que fil là il pas ni plus haut que panneau que ampérage panneau et il pas ni plus haut tout parce que ampérage régulateur donc kounia qui breaker qu'on doit utiliser un bien au capable prendre un breaker 20 ampères pour un système 27 ampères côté que panneau ta bail 27 ampères ou capable bomber que 20 ampères donc en sac fait nous prend 20 ampères pas on pas parle dire que le pas trite non mais breaker
invert batterie, généralement, elle a chargé les batteries pour qu'on gagne charge, il y a un niveau qui est très bas, laisse ça lui consommer plus ampérage pour qu'elle monte. Et au fur et à mesure qu'il a monté, ampérage commence à descendre. Au fur et à mesure qu'il a monté, ampérage de charge là commence à descendre jusqu'à ce qu'elle finisse de boucler le niveau de charge qu'elle a besoin. Ok? Donc, ça fait moins de capable bon 20 ampères, parce que les batteries à charger n'est pas émettant toute capacité maximale li, en même temps. Donc, c'est étape par étape, li émet li, parce que la batterie a chargé en 3 temps. Donc, nous avons parlé sur ça dans l'autre vidéo qui a venu, mais nous mettons le temps parce que c'est pas dans ça que je dis, c'est des fils qui ont parlé. Donc, moi, je voulais assurer que nous comprenons qui fil que nous devons utiliser et comment pour nous comprendre que ça va bien. Donc, laisse ça. Batterie, c'est étape par étape la charger, donc il ne peut pas consommer tout l'ampérage qui pas nous avoir bali pour ne passer tout la batterie. C'est ça qui fait qu'on met régulateur là pour le contrôler, pour bali étape par étape, pour qu'un ça ne pas nous bali et la batterie ça le mérite, ça le besoin pour lui. Donc il ne peut pas voir tout la batterie, même si la batterie a besoin, si la batterie n'a pas besoin, pour voir tout bali. Donc la voie ça le besoin, la qu'un reste là. C'est quoi le régulateur ça? Régulateur, m'te dans la vidéo que m'te fait avant hier. Régulateur pour la pour le régler et contrôler ça la voye by batterie, régulariser ça la voye by batterie, le batterie a fin pour charger tout pour le stopper. Donc c'est ça régulateur là pour le faire. OK? Donc quand y a là nous mettez briquet 20 ampères là, c'est parce que régulateur pas parler by toute 30 ampères là, il pas parler by 27 ampères qui pas noir balial, pas voye toute by batterie généralement. Donc la kembe ampère et puis après la voye un petit parti by régula by batterie et puis au fur et à mesure batterie chargée, au fur et à mesure batterie chargée et ampérage la vient descendre qu'on y a, au fur et à mesure voltage batterie a monté, ampérage panneau a descendre, ampérage charge a descendre, la descendre au fur et à mesure et jusqu'à ce qu'elle finisse charger net, pour venir censé réduire à 0. OK, donc nous capable mettre un briquet 20 ampères pour ça, c'est soit si dans panneau on a mettre un fil 10 pour 500 watts en 12 volts. OK, donc s'il était en 24 volts, il a été capable toujours, mais en 12 volts, nous capable mettre pour 500 watts là, nous capable mettre un fil 10, OK, nous capable mettre un fil 10 et nous capable mettre un briquet 20 ampères. Fil 10 là à banon 30 ampères et briquet à 20 ampères. Donc là ça, il pas de problème pour le couper pour le trip, pour briquet à trip et puis les bon coup circuit, parce que qui ça peut passer, briquet pas tomber facile parce que briquet a travaille passivement. OK, donc c'est les gain en coup circuit, c'est les gain en surchauffage, en surchauffage. Donc les ça briquet après le sentir chaud et puis la première degré pas ca bien encore l'a déclencher. Donc les ça là même on vient capable seulement repasser et puis la recommencer fonctionner normal. Donc si c'est soleil là qui est trop chaud, il coupe elle. Donc là recommencer fonctionner normal. Si c'est pas régulateur qui était une pièce qui a chauffé là qui t'a tout intention en bail régulateur à faire sentir trop, faire sentir trop chaud. Donc là ça briquet aller même qui est en route là, qui était en voie ça la clap les couper et puis laisser régulateur pas bien gain et puis panneau pas bien gain en tout. OK, qu'on y a là n'a quitté input, n'a quitté sorti dans panneau pour venir dans régulateur, n'a prend sorti dans régulateur al dans batterie. Donc pour ça et bon faut tenir sur panneau. Pour panneau avec batterie, il y a un fil qui vend spécialement pour ça. D'accord? Il y a un fil qui vend spécialement pour ça. Mais image là, et m'a mettre un lien dans la description pour nous capable garder, pour nous regarder qui fil que vous mettez. Mais si toutefois vous pas gagne pour acheter fil ça parce qu'il est un cher. Donc si pas gagne pour acheter, vous capable toujours utiliser l'autre fil américain yo gain qui ou capable utiliser gain l'autre welding américain ou capable utiliser yo ou bien ou capable toujours utiliser fil 10 que vous fait électrique là et puis ou toujours ou passer en dentillo, yon façon pour capable protéger parce que tout fil qui passe dehors, li pi bon le ou passe en dentillo parce que si moun ka jwe décalé, dénudé, si moun ka dénudé, yo jwe la dan et puis bay pa noir problème. Donc soleil tout a fini par abîmer et puis tout, le la pi a tombé, donc tout ça yon a fini par abîmer fil là. Donc en place fil là, plutôt c'est si yon a pral ou bien encore capable acheter moulu, donc dépendamment des gens, de efficacité travail qui ont besoin. OK? Donc, kounya, n'a quitté, quand j'ai fini tout ça,
n'a quitté panneau à régulateur pour aller dans régulateur à batterie. Donc pour régulateur avec batterie, on pas besoin de fil qui est trop long, on pas besoin de fil qui est trop long, mais on a besoin d'un fil qui est un petit casse plus gros parce que les laps sont dans régulateur pour aller dans batterie. Donc là, a un bon petit ampère qui a traversé. OK? Donc au lieu de fil 10, on capable prendre un fil 8 pour sortir dans batterie, aller dans régulateur. Mais qu'on y a qui breaker qu'on capable besoin tout pour fil 8 là, c'est 40 ampères qu'il y a. Donc OK? Donc fil 8 là c'est 40 ampères qu'il y a. Donc on capable besoin un breaker 25 ampères donc pour sortir dans batterie, pour sortir dans régulateur, aller dans batterie. Donc laisse ça, régulateur a fonctionné normal, batterie a fonctionné normal. Tout à coup circuit donc batterie tout à coup circuit sous batterie breaker qui sous batterie a coupé donc tout à coup circuit sous panneau tout breaker qui sous panneau a coupé donc breaker on mettait pour protection donc c'est pas les mêmes qui va le faire panneau charger batterie c'est pas breaker qui on mettait pour faire panneau charger batterie fil là si fil là trop faible il capable faire panneau pas charger batterie j'en dois charger là parce que pas gain perte d'ampérage dans route donc il pas charger le temps j'en dois charger mais breaker hein? Si breaker trop faible il est trop faible donc il prend le trip de temps en temps la prend charge la couper mais cependant depuis le niveau normal la prend charge normal il pas couper mais si breaker trop haut la inutile. OK, si breaker trop haut et comme sous pas mettre là c'est ça que fait zoom tu veux mettre un breaker qui répond avec une quantité ampérage que vous gagnez donc qu'on y a là. Pour moi qui parle de moi, parce que moi toujours fais pile vidéo, l'aime fin par exemple, yo moun yo mande moi, yo gen tel bagage, yo gen tel bagage, comment yo ka fait. Mes amis, moi dit mais ça pour nous faire dans vidéo si nous gen ça. Donc si nous et pas ça nous gen, c'est ça nous gen. Donc nous capable utiliser même formule ça que me bail là pour nous capable faire l'autre là. Ou bien nous capable seulement passer par règle de 3 parce que nous capable dire si pour 27 ampères m'ai besoin en fil 10 et pour 40 ampères combien m'a besoin. Et puis, ça a passé par D3, la bombe exactement, mais qui a été fil, m'a besoin pour yon 40 ampères. Donc, vous n'avez pas besoin de commenter pour dire oui, mon cher, vous avez tel barre, qui sont qu'à faire. On quitte ça pour moun qui plus pas comprendre. Et puis, on moun qui peut regarder l'autre vidéo, tout parce que si vous pas regarder l'autre vidéo, ça m'a dit, vous pas trop comprendre. Yo. Donc, vous pouvez cliquer dans i qui affiche la kounia. Donc, vous pouvez regarder l'autre vidéo, vous pouvez toujours continuer à regarder ça parce que son chaîne de vidéo qui est, si vous ne pas regarder, vous avez l'autre qui pas trop comprendre. Donc, là, ça pas dire c'est moi qui entends, mais justifier que elle regarde toute vidéo. OK? Donc, après ça. Nous allons tomber dans l'inverteur parce que c'est des câbles n'a pas. Nous allons tomber dans l'inverteur. Mais la chose dans l'inverteur pour aller dans la batterie, nous t'ai mentionné dans la vidéo que nous t'ai fait avant. Donc nous avons besoin d'une inverteur 400 watts. Pour une inverteur 400 watts là, lorsque vous allez chercher l'ampérage là, lorsque vous faites P égale à UI pour prendre un wattage là, divisez le par tension qui c'est voltage là, libarou. Il est au moins 33 combien ampères. Donc moi capable utiliser un fil 8 qui va au moins 40 ampères donc pour éviter une perte de tension ni perte d'ampérage tout. Moi capable utiliser un câble qui va au moins 40 ampères. Donc là ça n'a utiliser câble welding qui c'est nous capable toujours utiliser câble welding yo. Donc si nous pas gain welding n'a un petit fil qui soupe yo vent tout, nous capable toujours utiliser même si yo pas welding à 100%, moi capable utiliser pour capable faire câble blanc, pour capable fonctionner. Quand y a là si que vous avez une fête qui est plus gros, donc gain câble yo gain 1-0, gain 2-0, gain 3-0, gain 4-0, yo tout voyer câble ça pour installation généralement tout disponible. Donc les sont capable seulement acheter câble là, mais les ça, on peut toujours garder qui ampérage inverter dans DC input là qui ampérage qu'il consomme et puis les sont capable à l'acheter câble là sous référence que li ba ou. OK? Mais pour ça que pour une de 400 watts là capable acheter yon fil 10. Mais pas mettre fil là bien long même genre c'est avec fil panneau bon habituellement tu mettre ça tout venir avec câble mais si parfois tout a une qui sans câble pour capable prendre qui ça pour faire pas mettre le qui long maximum les carrés c'est 3 pieds. OK, on capable mettre donc on mettre fil 8 mais si vous avez mettre 6 pieds donc on pas mettre fil 8 on capable mettre un fil 6 les sont capable mettre 6 pieds donc là toujours venir avec même force d'ampérage qu'il t'a doit venir là ça il ne va pas tomber overload sans que les poco overload vraiment parce que l'on mettait câble là trop long l'inverter fonctionner le capable dire on dit charge pourtant c'est pète d'ampérage en gain en route donc il pas temps tout pas temps il veut jeune inverter donc il dit charge pourtant c'est pas vrai. OK, donc si nous avons voulu mettre un breaker sous
et inverter, hein? Donc bien que inverter déjà un fuse pour protéger, mais c'est inverter c'est pas gros, donc l'idée a un fuse pour protéger. Donc nous capable de mettre un bracket 30 ampères parce que inverter a consommé 33 ampères. Donc là ça les que tu vas gagner un coup circuit dans output là, donc il vient concentrer sur DC input là. Donc là ça bracket capable de tomber, peut-être si fuse n'a pas gagné coupé, bracket a rien doit gagner coupé. Donc c'est ça que fait, nous devons mettre un bracket, nous devons mettre un bracket de 30 ampères sous DC input là pour protéger batterie avec inverter. OK, inverter non output là, bien que me pas parler de ça non, mais bon tout font passer dans ça non DC non assez output là, pas tellement gain breaker dans si inverter petit, même si tu as gain breaker tout, yo tellement sensible parce que c'est high frequency, yo il est tellement sensible, donc au moment il est toujours en panne parce que il est pas tellement kembé vraiment avec un coup circuit. Donc c'est ça qui fait leur continuer faire une installation, supposé make sure que tout bagaille bien fonctionner, tout bagaille bien assuré, que c'est ça on doit mettre sur lui, mettre pour éviter que un coup circuit et puis pour éviter que une surcharge, pour éviter une vente en panne. Donc ça c'est un petit bagaille en plus, hein, c'est pas de vidéo à ça. Donc qu'on y a là, qui ça moi pas dit. Donc essentiel, vous devez utiliser câble qui répond, câble là qui pire que ampérage que vous gagnez. Si vous avez un fil qui pire, pas de problème là, plus bon pour vous. Mais ou pas qu'à acheter briquet qui pire, donc c'est un désavantage ou la pile, pas un avantage. Ou pas qu'à acheter briquet qui trop bateau, il pas un avantage, il pas un désavantage parce qu'il peut tomber trip de temps en temps. Ou pas qu'à installer pour mettre n'importe comment. Donc m'a fait une vidéo générale pour me dire comment doit installer, comment doit positionner, comment doit câbler. Donc n'a fait toute bagaille, rete abonné et puis make sure que vous activez cloche notification et moi m'a porté vidéo pour partager, parce que chaque temps partager ou dit continuer travail ou aider tout. Donc en vidéo ça l'arrivé avec 1000 vues, m'a porté l'autre vidéo. Moi m'était dit ça dans l'autre vidéo même pas étonne. Donc m'a fait ça arriver avec 1000 vues avant que me porter l'autre vidéo, parce que nous supposé encourager travail à tout, et puis de jouer en jeu tout, m'a porté plus vidéo pour nous parce que travailler sur YouTube là n'est pas facile. Donc c'est un pile sacrifice pour me porter genre des vidéos ça pour nous. Donc ou même tout qui t'a blessé pour tes channels là, pas mon cash, je suis capable de jouer un petit mon cash, mon son numéro ça, bien que je toujours dis moi pas jamais allemand de corps en privé parce que moi pas là pour ça, d'accord.